à nos mariages que nous célébrons ici, vous savez c'est quoi la différence? Un contrat, c'est rédigé ou c'est scellé au nom des deux parties qui sont reliées. Et un contrat stipule des obligations. Et si j'ai un contrat avec toi, si je n'ai pas gardé ma part d'obligation, tu es dégagé du contrat. Mais le mariage est une alliance. Ce n'est pas un contrat. Le mariage n'est pas scellé au nom des deux constituants. Le mariage est scellé au nom du supérieur. Un seul nom dans le mariage, alors qu'on a deux dans le contrat. Maintenant, le contrat, c'est jusqu'à ce que j'accomplis ma tâche. Mais le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. En d'autres termes, même si je n'ai pas accompli mes tâches, ben, l'alliance n'est pas brisée. Vous savez, s'il y en a qui devait se réjouir de cela, c'est bien nous. Combien de fois nous avons failli notre part d'engagement. Mais parce que nous avons une alliance, Dieu est resté fidèle. Combien de fois, alléluia, nous n'avons pas été capables d'être à la hauteur de ce que stupide cette alliance. Mais parce que c'est une alliance, Dieu reste dedans. Je veux sceller mon alliance avec lui aujourd'hui. Tu veux sceller ton alliance avec lui. Aujourd'hui, tu peux te repentir de tes péchés. Aujourd'hui, tu peux être baptisé au nom de Jésus-Christ et devenir son épouse et avoir accès à tout ce qu'il a à offrir. Aujourd'hui, tu peux, alléluia, t'assurer que tu as le signe ou le gage que tu vas obtenir les promesses qu'il a données. Et le signe ou le gage de l'obtention de ces promesses, c'est cette alliance. On va venir à l'avant, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. On va parler au Seigneur, alléluia. Et on va lui ouvrir nos cœurs pour un moment. Et Seigneur, aide-nous à être dans cette alliance. Certes, nous savons c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais nous voulons donner notre meilleur dans cette alliance. Certes, nous savons, il a rachaté, nous sommes conscients, alléluia, que Dieu, alléluia, reste engagé dans cette alliance. Mais je veux donner mon meilleur dans cette alliance. Je veux donner mon meilleur dans cette alliance. Amen. Alléluia. Si nous pouvons venir à l'avant tout un moment, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. Ce gage que ces promesses sont atteignables, ces promesses sont accessibles. Alléluia. 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 Si nous pouvons élever nos voix, si nous pouvons lui parler pour un moment. Alléluia. Alléluia. Il veut établir une alliance avec toi aujourd'hui. Il veut établir cette alliance avec toi. Il veut renouveler cette alliance avec toi. Il a ma chaîne. Oh, Katamanaya, Itarama, Oloboyosan. Il a ma chaîne, Itarama, Oloboyosan, Dalama, Oloboyosan. Alléluia. Alléluia. Il y en a qui recherchent le Saint-Esprit dans cet hôtel. Laissez-moi vous dire, cela est accessible, le Saint de Dieu. Dis la machata, soyez conscients des gens qui prient aux côtés de vous. Dis la maya itara, koloya etara, maolo boyosa.
au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Le gage de la promesse, c'est cette alliance. Le gage de la promesse, c'est cette alliance. Alléluia. Je veux sceller cette alliance. Il a ma chata. Ola katamanaya itarama olo moyosa. Jésus, il a ma chata. Dans cette alliance, il y a la vie éternelle. Dans cette alliance, il y a la provision. Dans cette alliance, il y a la guérison. Dans cette alliance, il y a la restauration. Il a ma chata. Ola maya etarama olo moyosa. Oh Jésus, Oro katamana ya itarama olo moyosa. Alléluia, il est réel et il est palpable. Oro katamana ya eta. Et il veut établir cette alliance avec toi aujourd'hui. Oh Jésus, oh Jésus.